Aujourd'hui, à Expo Comoligro, on va parler du jeu Citadel. On a une grande table, le jeu est gros, il est là. Il est juste là. La boîte est petite. On est avec Camille, Peach, je vais les nommer là. Tiku, Jack, Marc, Pascal, puis moi, comme d'habitude. Commencer par la fiche technique. En passant, le jeu, on l'a testé là, après 4 ou 5 ans. Mais on n'avait pas de vidéo à l'époque, donc on va valider ce qu'on a écrit, on est encore d'accord là-dessus. Donc, le créateur, c'est Bruno Fedutti. Check now, voir si je le prononce comme faux. Bruno Fedutti. Fettuccini. Tu écris-tu? Non? Bruno, il est là. Ah! Bruno Fedutti. 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 L'année de version, c'est 2003. C'est un 2 à 8 joueurs. C'est un 10 ans et plus. L'éditeur, c'est Millennium. Catégorie, c'est un jeu de cartes. Ouais. C'est un placement. Placement, non? Ben, oui. Ouais. Placement, non, c'est pas comme un placement d'ouvrier, là. Non, ben, je sais, mais faut que tu places tes jeux. Ces cartes-là, ils ont des avantages pour le reste de la game. Tu les places en premier. Admettons, ces cartes-là, ils vont t'avantager. T'as mis Sneaky, je sais pas quoi, en placement. Ah, mais c'est quel? Vrai. Sneaky Snake. Tu l'as mis en placement. C'est un placement de tuiles. Ah ouais, c'est un placement de cartes. Je place cette carte-là avant, parce que quand je prends le marchand, ça me donne 2 piastres de plus, admettons. Et oui, on s'en fout, tu prends le roi, c'est ça qui... La concurrence... Non, mais le but, c'est que t'aies des... Ouais, mais le thème? Bâtir une village. Cité? Village, ouais, bâtir une cité, ouais. Tant par partie, on dit 1 heure, on a joué quasiment 2 heures. Ah oui, mais c'est à cause de lui qui brettait, puis tout qui brettait. Ouais, on brettait toute la gang. Ok, à peu près 1 heure, ça a de l'allure, je t'en dis comme... 40 à 1 heure et demie, peut-être. Ça dépend. Si vous comptez 2 heures. Préparation du jeu, c'est moins de 5 minutes. Type de joueur, on peut-tu mettre tous là-dessus? Ouais, c'est facile. Matantuguette, peux-tu jouer? Matantuguette, jusqu'à date. Je mettrais, mettons, de 8 à... C'est derrière la caméra. 50. Ah, tu parlais l'âge, toi, là? Ouais. Ben, c'est un 10 ans et plus. Fait qu'on est pas fait. Ah, je sais pas. Donc, tous, c'est bon? Ouais. Gagnant, c'est le joueur avec le plus de points. Le texte, oui, il faut que tu saches lire la langue du jeu. Parce que t'as toutes les cartes merveilles ont du texte. À part les cartes merveilles, les personnages, à la fin, tu les connais par cœur. Ouais, mais les cartes merveilles, les autres, tu les connais pas par cœur. Ouais, je sais, mais il y a pas tant de cartes merveilles que ça. Là. Fait que t'es mieux d'avoir soit le jeu dans ta langue ou soit avoir une feuille avec toutes les photocopies des cartes, sinon tu vas être baisé. Parce que je veux dire, mettons, tu l'as en anglais, t'es pas si mal pris que ça. En une feuille, ça tiendrait la traduction. Ouais, mais si t'es en allemand, tu seras capable de le lire, tu vas te fourrer. Non, mais si j'ai la traduction, mettons, elle tiendrait sur une feuille. Ça, faudrait que tu aies la traduction. Mais là, je trouve que tu utilises beaucoup de termes. Tu vas être fourré, tu vas être baisé. C'est vulgaire, hein? C'est vulgaire, là. Parce que l'eau va être 18 ans et plus. Ok, on y va avec le vrai sujet. L'esthétique. On avait donné 6,5. Non, il est beau, le jeu. On peut donner un peu plus. Okay. Combien vous donneriez? Combien on avait donné? Je viens de le dire, 6,5. En fait, non, je leur donnerais 6,5. Parce que, mettons, les cartes sont vraiment belles, mais à part les cartes, il y a quoi, tu sais, faire des cartes de même, c'est pas si dur, là, tu fais la copie 800 fois. C'est parce que les cartes commençaient à être maganées, là. Non, mais les graphiques sont très beaux, je trouve, pour le jeu. Ouais, mais si tu te fies aux fiches, on a donné. Combien, toi? 7,5. 7,5? Si tu te fies aux fiches, on a donné 6,5 à Condottière, puis je trouve ça. Il est plus beau qu'on a pas mal. Il y a plus de diversité, celui-ci. Toutes les dessins sont différents. Combien qu'on a donné à Condottière, t'as dit? Ouais, mais on s'en fout des dessins. Condottière, ouais, c'est un petit peu trop, tant qu'à moi. Ah non, okay, fait que 7,5, 6,5. 6,5. Certes. Moi, je vais faire baisser en moyenne, fait que 6. 6. Fait que moyenne de 6,5. Ouais. On reste là, c'est bon. Chance, on avait donné 5 sur 10. Ok, il y en a. Ça dépend des cartes que tu vas piger. Ça... Ah oui, tu piges des cartes pour les bâtiments, puis... Après ça, tu piges. Puis tu fais. Ben, il n'y en a pas tant parce que tu choisis ton personnage. Ouais, mais tu te fais voler, tu te fais tuer, tu te fais prendre tes cartes. Ça, c'est la misère en joueur. Ouais, ça, c'est la misère en joueur. 1,5 ou 2. Ouais, mais après ça, c'est. T'as aussi la chance d'avoir la carte. Tu sais, toi, t'en as eu combien de chances quand Francis prenait le roi à chaque fois? Exactement. J'avais. Tu sais, la chance, ça fait partie parce que. Tu sais, la game, à la fin, le pointage, tu l'as vu, là. Ouais, mais encore là.
c'est pas de la chance, c'est de la nuisance entre joueurs beaucoup. Là. Ouais, parce que les Panarois m'ont fait chier. C'est la nuisance qu'il me faisait, c'est le seul but. On est six, chanceux pareil, malgré le. Il te nuisait à toi, mais même à là, après ça, il y avait tous nous qui choisissaient les cartes. Fait que, tu sais, il y a 10 cartes en tout, puis t'en discartes une quand même, admettons. Il y a 8 cartes en tout, puis t'en discartes une quand même. Moi, je me dis, peu importe le personnage que t'es, tu peux avoir de la chance pareil. Mais c'est pas le personnage qui fait que. Non, ça c'est sûr. Là. La chance, c'est plus pour ce qui est des cartes que tu piges. Ouais. Il y en a pas tant parce que. Mettons que t'es vraiment malchanceux tout le long de la partie, mais ça va pas déterminer si t'as gagné ou. C'est pas ça qui va te faire perdre. Si t'as eu de la marque tout le long, t'es capable de prendre exemple l'architecte, de piger plus de cartes parce que t'as juste. Des mauvaises cartes. Faut juste pas que le gars en avant de toi peigne avec le roi parce que l'architecte ça rend pas. Ouais. Ah, mettons un 3.5-4 là. Ok, on va y aller. 1.5? 3. T'es rendu à 3 là? Ouais. T'as doublé! Ouais. 3? 3? Ben 3, il y en a pas tant. 3? 3.5. 3.5? Moi je vais rester à 5. 5? Moi j'irai à 3 aussi. Donc, on va le descendre à 3. Pas qu'on t'aime pas là. Ben en 5 et 3, on va remettre 3. Mais pourquoi t'as-tu... Bon, on est plus en vaut 10. T'as-tu pas une affirmation, une raison, t'as-tu quoi de... Non, mais je trouve que... Il y en a pas mal? Ouais. La chance est présente. Stratégie, on avait mis 5. Oh, 5, 6, ça avait l'autre, tant qu'à moi. Il n'y en a pas tant. 4. Je suis d'accord. Ouais. Tu n'as pas tant de façons de faire des points, à part toutes les couleurs différentes, mais tu n'as pas... Ouais, mais tu n'es pas obligé de faire... Tu peux partir sur une bulle, puis mettre juste des... Juste faire des marchands, faire de l'argent, puis tu... Certain que tu peux gagner sans avoir les 5 couleurs, tu peux... Ouais, mais il n'y a des milliers de possibilités, là. Ouais, c'est ça. Mais il y a un autre qui va se dépêcher d'avoir un paquet de... Ils vont prendre l'architecte, ils vont faire juste des petits bâtiments à 4 tours, c'est fini. Ça dépend vraiment de la manière... La stratégie, mais il n'y en a pas tant non plus. Combien vous donnez? 4. 5. 3.5. 4. J'irai à 5. Donc, c'est à peu près 4 de moyenne. 2.5. Ouais. qualité d'explication des règles, on a mis 8 sur 10 à la rue. Même 8.5, j'aime mieux ça. C'est quand même assez simple à comprendre, c'est bien écrit. Du moins dans cette version-là, j'ai pas essayé les autres encore. Soit dit en passant, il y a deux kits de personnages en jeu, on a seulement essayé le classique. On n'a pas essayé l'autre. J'ai déjà joué à l'autre qui est excellent aussi. Là. Mais on ne l'a pas essayé pour ce qui est de cette critique-là. La viabilité du jeu à long terme. Merci! Viabilité du jeu à long terme? On avait mis 7 sur 10 quand on l'a testé. Je reste... Bon, ouais, 7 c'est pas pire. 6. Ouais. C'est un jeu qui ont réédité une couple de fois. Là. C'est pas la première fois qu'il est édité là, parce qu'il marche bien. 6 à 6. Ben moi, je suis sûr qu'il y avait des extensions, ça serait pas pire. Ouais. Mais là, sans extension, c'est basé. Sans DLC, 6. 6, 8. Non, tu peux rejouer mille fois. Tu peux rejouer, tu vas avoir du fun là, longtemps. Oui, mais chaque game est différente. Ça dépend de le subconscient. Je suis conscient. Non, laisse faire. Tu fais le tour rapidement. Mettons, là, à part les cartes. Écoutons comment ça s'appelait déjà. Les cartes merveilles, là, il y a quoi de différent entre les quatre autres couleurs? T'as d'autres personnages, puis tu peux les switcher, là. Ouais, mais avec d'autres personnages, là, on parle juste de... Ça, c'est avec des DLC? C'est juste un autre kit de personnages dans le jeu, une extension. Ouais, on peut dire que c'est une extension. Ben là, ça, moi, je parle juste de elle qu'on a essayé, admettons, après avoir fait les 8 personnages, avoir joué, admettons, à la 4e game, là. Tu sais, il vient pas de jouer. J'ai hâte d'en jouer 8-9. Moi, j'exagère, mais pas tant que ça. Ben, pas d'affilée, là. Non, pas d'affilée. Ça peut être différent. Moi, je trouve que ça dépend vraiment d'une game à l'autre. Regarde, la deuxième game, t'as crissement différent de la première. Ouais, mais après ça, tu sais, les points restent des points. Il n'y a pas d'autres. Tu sais, à part les cartes merveilles. Dans tous les jeux, les points restent des points. Ouais, non, mais admettons, t'as 4 couleurs, admettons, qui vont juste faire des points sans rien faire d'autre. En tout cas, c'est pas. Tu sais, admettons, ça se répète à moins que tu joues le mauve différemment à chaque fois, mais à part le mauve, il y a quoi d'autre de différent? Les personnages restent des personnages, les tours restent combien des tours. Combien tu veux pas t'en donner? Je sais pas, Argument. Ça me tentait juste de chialer, puis tu n'as pas mis viabilité dans celle-là. Regarde, en bas, à droite. Viabilité. Ah, ben oui, regarde toi. Ah, ben, admettons. Un petit. Ok, t'as 0.5 puis 6, admettons qu'on se vit, il n'y a pas d'entraîneur. Allô? Je sais pas, un 5, admettons, moitié-moitié, on coupe la poire. 5?
Fait que 6, 8, 6, 5. 6, 1, 6. 6. Moi, je vais aller à 6 aussi. Bon, parfait, abusé. Next. On va-tu être déplaisant, moi, ça? Avec deux Rockstar, je pense. Ouais, puis deux comme ça. Ouais, j'ai pas fini encore. 800 joueurs, on avait mis 7. Je pense que certes, c'est représentatif. Ouais, ça, tu peux pas chier le peuple solide à ça. Ouais, mais je trouve que c'est un peu trop, admettons. Tu peux pas faire chier le peuple. Admettons. Ton assassin, il y a 8 personnages. Non, mais tu sais pas c'est qui l'assassin. Ouais. Ouais, mais t'as une idée, là. Ouais, mais. Quand tu fais l'assassin, tu nues à quelqu'un. Oui, mais. Sur 6 joueurs. Mais tu nues pareil. Ouais, mais toi, tu veux prendre le meilleur puis le nuire, tu sais pas. Ah, mais tu peux. Tu peux avoir une idée, là. Tu regardes les points, tu regardes. Y a ça passe, il y a un 4, quand tu prends le roi. Non, mais la personne a 4 marchands, il y a des chances qu'elle prenne le marchand. Non, non. Tu vois que le joueur, il n'y a qu'une 4, il y a des chances qu'il prenne le magicien ou l'architecte. La note est haute. Tu peux commencer à regarder, là. Là, on commence, tu l'as dit deux fois, il y a des chances, mais tu peux pas dire, lui, je le bâche, mettons. Même Peach a même si tu sais pas qui, tu nuis à quelqu'un. Tu prends, ouais, oui, mais une personne l'assassin, t'es sûr de nuire à quelqu'un, à moins que la carte soit brûlée. Mais c'est pas juste ça, aussi la personne, exemple, a cette carte, et sur le point de finir, tu peux prendre un personnage, un roi ou peu importe, pour être sûr d'y laisser... Les mauvais joueurs. Ouais, 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 3-4 qui ont une incidence directe sur les autres joueurs. Oh, oui. Je reste 3-4 sur combien, mettons? Oh, non, sur les 8, les personnages, je parle. Assassin. T'as l'assassin, t'as le voleur, tu voles l'argent, puis qu'on le tient, tu détruis des bâtiments. Ouais, mais je parle. Tu détruis pareil? Ouais, mais je parle, il y en a juste un que tu peux dire, cette personne-là est la plus forte, j'avise, puis c'est lui que je vois, parce qu'après ça, tu vas prendre un guess de qu'est-ce qu'il va avoir pris sur 8. Oui, je le sais, tu choisis pas, mais tu nuis à quelqu'un. Ouais, ça, tu nuis. Dans ce sens-là, avec oui, la luisance, c'est quand même assez important. Puis juste, quand il y a quelqu'un qui prend le roi beaucoup, tu ça nuit à l'autre, oui, c'est sûr. Parce qu'il y en a tout le temps de la nuisance, peu importe le round. Fait que c'est assez élevé, là, au moins un 7. Ben, c'est bien beau qu'il y ait de la nuisance, mais je trouve que c'est pas si élevé que ça. Peut-être avec des extensions. Ah, mais même sans extensions. Mais basique. T'es capable de te débrouiller dans le jeu sans être. Oui, tu peux te débrouiller pareil, mais la nuisance, tu peux te nuire pareil. Moi, cette game-là, j'ai été dans les joueurs tout le long, ça m'a mis à casse. J'ai passé mon tour. Admettons qu'on se fie à ça, là, Carcassonne, admettons. La seule différence, moi je dis, admettons, Carcassonne est 5, mais Carcassonne, tu peux viser une personne directement et dire, toi, je te nuis parce que t'es le plus fort puis ça me remonte moi. Ça, c'est la stratégie, ça. Parce qu'à Carcassonne, tu vas essayer de nuire à quelqu'un. Tu vas pas nécessairement y nuire. Là, t'es sûr que tu fais mal à quelqu'un. Ouais, mais tu sais pas qui. Tu sais pas qui, mais tu nues à quelqu'un. Mais tu nuis, peu importe. Tu peux jouer. Par contre, là, Carcassonne, faut que tu sois un Christ de rat. T'es pas obligé. Là, t'as l'assassin, t'es obligé, là. Ouais. Ben, je dirais un 6.5. Ou 7. Fait que t'en as pas tant que ça, mais tu donnes 7. Ben là, à un moment donné, je t'en ai, là. OK. 7. 7? Moi, je vais faire monter à la moyenne 8. 6. 6. Je vais à 7, fait que 6.5. Yeah! Complexité du jeu, on avait mis 3. Ben. C'est bon. Ben, c'est pas compliqué les règlements. Là. Non. On va laisser ça à 3, je pense. Ouais. Pas ça de la lune, même je l'ai dit. Ouais, 3. Je mettrais 2.5. Hey, on a dit Huguette peut jouer. Là. Ouais, tu Huguette est capable. Elle peut jouer avec lui. On reste à 3. Interaction de joueurs. Ouais, vas-y, c'est bon, elle n'a pas rejeté. Oui, l'interaction. Ben, moi, je trouve qu'il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal, mais. C'est quoi tu veux dire? Non, il n'y a pas d'interaction. Qu'est-ce que tu veux dire par interaction au cas où? Ben oui, t'en as un petit peu d'interaction dans le sens que tu voles quelqu'un, mais que t'as une interaction avec un autre joueur. Mais tu vas tuer quelqu'un, t'as une interaction, Chris, tu viens de le tuer, t'as une. Ouais, tu vas dans ce sens-là. Ouais, mais c'est pas. Sauf que pendant la game, pendant que les autres, t'as bien du monde qui vont jaser, parce que surtout, on était 6, là. Tu joues à 4, c'est sûr que tu vas avoir moins de. Fait que oui, t'en as l'interaction, à mon avis. Ouais. Mais il n'y en a pas tant, tu sais, un 10 en interaction, ça serait un jeu co-op, là. Oui, fait c'est sûr. Mais encore là, ça n'est pas à quelle genre... échelle-là, moi, je te dirais peut-être 4. Ouais, mais on met pas de 9, hein. Oh, on met pas de 9? On va juste savoir s'il y en a dessus. Ah, oui. Bon. Voilà. Camille! Oui? Combien tu donnes sur 10? Combien tu donnes? Ouf, t'as une note, là. Veux-tu que je passe à un autre en attendant? Je reste 7. 7? Ouais. Tu me donnes ça un petit peu plus de viande, moi?
Ben pour vrai, j'ai aimé vraiment. C'était le fun. On a vraiment les deux games, j'ai trippé là. C'était vraiment cool. C'est vrai qu'on a de l'interaction. On jase pas mal aussi. Mais le jeu reste que c'est quand même le fun. Puis oui, je rejouerai. Je rejouerai n'importe quand, il n'y a pas de problème avec ça. Même que les extensions, là, j'aimerais ça essayer. Ce sera le fun. Ben, l'autre set de personnages, ils sont le fun, ils sont puissants, les autres personnages, les amis. C'est pas un jeu qui est emmerdant, je trouve. Là. C'est le fun. C'est divertissant un peu. Mais pas. Je jouerai pas à tous les jours, mais. C'est ça. Je suis capable. Good! Tiki! T'avais donné 7.5 il y a 4 ans. Ah ouais? Ben, je vais lui donner 7. 7? Ouais. C'est rare qu'on est d'accord. Mais d'accord. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non, il est divertissant, puis il est le fun, puis. C'est pas un jeu à. Je te dirais pas que c'est un jeu à acheter, même s'il est le fun. Parce que des jeux meilleurs, sûrement pour le prix, doivent, comment ça vaut, 40, 50? À l'époque, il était à près 25-30 piastres. Ah, il est pas cher. Ah, oui, là, présentement, c'est... la nouvelle réédition, je ne sais pas combien elle vaut. Bon. Fait que là, c'est un bon jeu de... C'est presque party, à la limite. Parce qu'on peut jouer à plusieurs, on peut jouer à quoi, à 9? On peut aller jusqu'à 8 si on joue avec l'extension, là, l'autre set de personnages. Là. Fait que tu sais, c'est sûr, ça. Plus qu'on est... Plus la game va être longue, mais c'est presque un petit jeu, presque party, je trouve. Parce qu'on est beaucoup. On est beaucoup, il est simple, mais il est quand même. Le taux de stratégie quand même intéressant. Ben, il y en c'est a un jeu qui amène, admettons, en chalet, quand que tu te dis, puisqu'il passe partout, admettons. Là, ouais, dans le sens que tu l'amènes partout, puis si t'as un temps à tuer, ben, tu te dis, bon, ben, on se fait une game. C'est un petit jeu sympathique, mais c'est le genre de jeu qu'on va oublier sa tablette, même s'il est bon. C'est le genre de jeu qui est là. C'est encore long, mais je le sors souvent. Je le sors quasiment une fois par année, pareil. Ouais, c'est ça. Parce que c'est facile habituellement à expliquer. Mais j'avoue que, mettons. Ah, c'est ça, c'est pas souvent. Tu m'aurais jamais connu dans ma vie, tu m'aurais jamais présenté ce jeu-là. Je le vois sur la tablette. Je serais pas porté à l'acheter. Mais avoir joué, là oui, je serais porté à l'acheter. Okay. Fait que je pense que c'est un jeu qui va ramasser la poussière, même s'il est bon comme plein d'autres. Ok. C'est tout. Là oui, il vaut la peine pour elle. Moi, j'aime les jeux très stratégiques qui creusent les ménages. Fait que, oui, il est bon, mais comme ils ont dit, je trouve que c'est plus un jeu de party. Fait que, tu sais, c'est le genre de jeu que ce qui va faire le fun dans la soirée, c'est le monde avec qui tu joues. Mm-hmm. Fait que, pour ça, moi, je donnerais pas un 6. C'est un bon jeu, là, pour vrai, je le conseille, surtout s'il est 25$. Je le conseille. Un jeu de party. Mais... Jeu de party, je trouve que vous allez loin. Parce que tu peux amener la stratégie loin en Chris. En soir, la stratégie, t'as pas écœurante. Mais je pense que tu peux l'amener loin en checker qui lui a ça. Je pense que ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut être, exemple, 8. Ouais, okay. Fait que c'est pas long que. Ah ouais, t'es au chalet la semaine passée. Puis là, ah ouais, ouais, j'ai fait mon cadeau. Ouais, ouais. C'est facile de les crocher parce qu'on est plusieurs. Ben c'est ça, fait que c'est facile de rembarquer aussi. Là. C'est pas trop dur avec ça. Mettons, il y a des jeux que. Tu regardes pas 15 minutes qu'est-ce qui s'est passé, puis là, t'es fourré le reste de la game, ça, tu sais. Mais tant que tu choisis ta famille avant de jouer, parce que. C'est mieux à choisir pour d'autres choses aussi. Mais c'est le genre de jeu que. Je dirais pas que je trouve incomplet, mais avec d'autres extensions, avec DLC. Je suis pas mal sûr que. C'est pas EA qui le fait, là. Y'a pas de DLC payant là-dessus. Ah ben. Ben des DLC gratuits, pareil, là. Mm-hmm. Mais je suis sûr qu'avec des rajouts, ça, la note serait meilleure puis ça gérerait bien plus de fun. Là. Ok. Mac! Ouais, ben moi aussi je donne un 6. C'est un peu comme qu'ils viennent dedans. Mettons, je trouve que c'est un jeu qui peut être le fun, mais il manque un étincelle à quelque part, mettons. Il manque un petit quelque chose qui fait en sorte. La nuisance en joueur, mettons, il devrait avoir plus de personnes qui peuvent justement nuire, mettons, les condensateurs. C'est, je trouve ça niaiseux que tu veux détruire quelqu'un, mais qu'il faut que tu payes de ton argent pour détruire quelqu'un quand t'es rendu à 8 joueurs. Mais sinon, c'est trop puissant, là. Oui, je le sais, mais quand t'es rendu 8 joueurs, tout le monde va faire sa game, puis toi, tu veux nuire à une personne, ça fait que tu te construis pas une ville. Tu sais, le condensateur, combien de fois vous l'avez utilisé? Je pense que je l'ai utilisé 2 fois. Pis... Ouais, c'était tranquille, je trouve. Le condensateur, d'habitude, souvent, ils sont plus que ça. Avoir quelqu'un qui nuit plus que l'assassin, puis à part dire, il va affecter lui, il manque juste un petit quelque chose, un petit pouvoir, un petit. Juste une petite étincelle pour faire en sorte que le jeu passe de bien à vraiment bon, admettons. J'avoue que tu fais douter souvent qui prenait quoi. Ouais, ben... Mettons. Mais tu vois, l'autre type de joueur, il y a plus d'interaction un peu. Tu vois, la sorcière, elle,
Quand il finit son tour en jouant la place d'une personne de son choix. Ben c'est ça, admettons ça, ça serait déjà plus le fun que quelqu'un qui doit payer pour enlever une carte à quelqu'un d'autre, tandis que les 5 autres font leur jeu. Le baby, c'est tout le monde qui veut construire, doit payer une pièce à celui que cette personne a. Ben tu vois, là dans le fond, ça devient avantage. Sorcier, tu choisis une carte dans la main d'un autre joueur, puis tu peux le bâtir tout de suite. Là, on va se poser la question, pourquoi on n'a pas joué à ce côté-là? Ouais, ça, c'est avec une extension, là. Ce que j'essaie de dire, c'est, admettons, ça serait plus le fun qu'il y ait des cartes. Plus rares, les. Ouais, ben c'est ça. Admettons, il y ait des cartes qui soient plus avantageuses pour toi, mais contre tout le monde, au lieu de juste. Ben, c'est ça, l'autre. Il va falloir qu'on leur joue aussi. Fait qu'un 6 sur 10. Si j'ai mis Pinocchio. Qu'est-ce que c'est? Je vais imiter. Pascal, t'en penses? Un 6 sur 10. Pour les mêmes raisons? Ouais. Rien d'autre à ajouter? Non. Hey, moi, je vais donner un 8, puis je vais descendre à 7. Parce qu'on a essayé beaucoup, beaucoup depuis. C'est un jeu que j'aime bien. Je pense que tu peux le sortir avec à peu près n'importe qui. Fait que t'as un paquet de visites, t'en as 8, tu peux pas sortir n'importe quel jeu. Tu peux facilement le sortir quand vous êtes une gang, puis il est facile à expliquer. Fait qu'un 7. Plus de garde. Un 7. Je vais aider. Ouais, de la viande. Pour mettre des pubs, là, faut que ça soit 10 minutes. Ouais, mais ça, il aurait fallu qu'on y aille, mais là, Camille est fatiguée, mais que. On peut pas continuer. Travaille demain, Colette. Hey, avez-vous d'autres choses à ajouter sur le jeu, vous autres? Question, commentaire. Toi, personnellement, là. Comment ça va? Ah, ça va bien. Là, tu peux y aller. Question, commentaire. Rejoignez-nous sur Facebook. YouTube. Explique-moi le mot en passant. Sur ce, bonne game! Yes! Ah, ouais, tout compris. Ouais.